Et salut les amis, on se retrouve cette fois-ci sur le jeu Kona. Alors Kona est un jeu d'aventure et avec une petite pointe d'horreur. On va se lancer là-dedans et vous allez voir le vif du sujet. Ok les petits gars, bon en fait, bizarrement, vu que je suis tellement nul, j'ai même pas fait gaffe que le jeu était en français. C'est au moins ça. Donc ce que je vais faire, ben, je vais faire une compilation des deux épisodes que j'ai tournés. Comment dire, ça va être un peu chaud, mais c'est ma faute, donc je vais gérer la faute. Voilà. Je vous laisse apprécier le jeu. Carl Faubert, détective privé de son état, venait de franchir des milliers de kilomètres depuis Montréal pour atterrir ici, au milieu de nulle part, près du lac Atamipec. C'était beaucoup de route pour rencontrer un seul client, mais on parlait alors d'un fort riche client. Carl devait rouler encore un peu plus vers le nord pour rencontrer le riche William Hamilton. Williams! Oh oh! Williams le riche! Magasin général. Ok. William Hamilton était un riche propriétaire qui possédait des commerces et des mines dans cette région du nord. Oh la vache! Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Il fallait donc que je rejoigne la station de service. Ben oui. Et je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. On sait jamais. Hein. Uh-huh, une petite bouteille. Alors ici. Oh. Oh oh. Bonjour mademoiselle. J'espère que je vous dérange pas dans vos truc satanique que vous êtes en train de faire. Je descends un petit peu la vitesse de la souris. Ça m'a l'air assez rapide. Deux petites secondes. J'augmente un peu les ventilateurs du PC parce que c'est chaud. C'est drôlement chaud dans cette pièce. Je suis en train de crever de chaleur. J'ai pas mis le ventilateur parce que la dernière fois j'avais fait une vidéo. Ça fait des petits sons un peu bizarres. Et moi j'aime bien quand les sons sont perfects. Pour votre plaisir, attention, hein, n'est-ce pas? Je suis de chaleur pour vous. Ah d'accord, c'est le nord. Depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait. Un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qui n'y avait pas droit de citer. Un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Ah, donc nous sommes au Québec. Des cures. Oula, on va éviter de sprinter dans les escaliers. En tout cas, graphiquement, il est pas mal, hein. Il est vraiment très beau, je trouve. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Quand je disais j'avais une Toyota, c'était pas moi qui conduisais, hein. C'était mes parents. Quand j'étais encore tout petit, et je m'en souviens, le compteur de vitesse. Et était pareil que ça, c'était pas les compteurs ronds, c'était les compteurs longs. C'était marrant. Ah, quand il commence à neiger. Et c'était une vieille camionnette Toyota. Bah, dis donc, ça neige bien ici.
tout cas, le fait de pouvoir conduire, je trouve ça sympa. Par contre, est-ce qu'on peut regarder la carte à l'intérieur de la voiture? On est obligé de sortir, je suppose, hein. Ouais, on n'a pas le choix. Carl n'avait pas été averti que l'hiver serait précoce cette année. Le Nord faisait sentir ses droits. Là-bas, la neige se souciait pas trop du calendrier pour choisir le jour de sa première bordée. Donc je disais, j'ai envie de sortir. Donc s'il veut bien sortir... Apparemment, on ne peut pas sortir. Ok, on ne peut pas sortir, non. Obligé d'avancer jusqu'à là-bas. Waouh. Que je pensais qu'il allait y avoir des trucs intéressants dans cette petite décharge, là. Ah, de la gelée, ok. On va pas aller vite. Ça, c'est super glissant, les gelées comme ça. Enfin, non, c'est pas gelé, c'est verglas. Et on va bien se mettre sur la droite. Au cas où c'est une bagnole qui arrive, on sait jamais. Waouh, on voit que dalle. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on peut remarquer des endroits qui sont marqués en anglais et d'autres qui sont marqués en français. Bah, quand je vous compilerai les deux parties que j'ai fait, vous comprendrez. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population gris. Je disais, je vais essayer de parler le moins possible afin que vous puissiez profiter de l'immersie du jeu. Ah oui, ça c'est une nouveauté que j'aime bien, moi. Qu'on puisse conduire... Je m'en souviens que j'avais une voiture comme ça, c'était une Toyota. Le compteur de vitesse. Pour ce qu'on savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison. Mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. Ah, vous pensez qu'on peut s'arrêter ici? Attendez, c'était écrit quoi sur le... sur la pancarte? J'ai pas fait gaffe. Ah, Manaston, d'accord. Bienvenue à Manaston. Ah, c'est même écrit en français en plus. Attention. Donc c'est... Manaston, ce serait une région française. Je savais même pas. Ok, on va pas faire de bêtises. Parce que je crois qu'on va s'embourber là. Alors, on va y aller en marche arrière. On n'arrive pas à voir. Je vais faire n'importe quoi. Oh là là. Je vous jure. Quel conducteur. Bon, allez, allons-y. Cessons de faire des idioties. Et conduisons normalement, non, de non. General Store. Station générale. Station service, ok. Bon, Carl, c'est bien Carl qu'on doit aller voir. Est-ce qu'on peut remplir l'essence? The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. Okay. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Bonjour. Excusez-moi. 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 La personne. Bon, ben, vous savez quoi? Dans des conditions comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a personne. An explosion suddenly occurred outside. Non, mais c'est bon, je voulais juste voir ce qu'il y avait dans la caisse. Pas besoin de faire un tracas comme ça. Et... normalement, c'est... non. Ah, on peut pas rentrer dedans, d'accord. Obligé de taper un code. Ok. On peut pas ouvrir la caisse comme ça. Bonjour. Excusez-moi. J'ai la chance, c'était le gérant du magasin, se souvint Carl.
C'était à lui qu'il devait se référer si d'aventure Hamilton ne pouvait pas être sur place. Et si Hamilton avait devancé son rendez-vous avec le médecin? Ah, la pompe, elle marche pas. Ben oui, forcément, vu que le compteur a pété. C'est logique. Ah, on peut prendre une trousse de secours. Ouh, c'est pas bon signe si on peut prendre une trousse de secours. J'ai pas de... Ah ouais, d'accord. En fait, c'est carrément le disjoncteur qui a pété. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Ah, effectivement, il y a un petit problème. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Il va falloir du fil. Le fil. Hey, tenaille. Carl was no electrician. Oui, je sais, d'accord, j'ai compris. Il n'est pas électricien. Et pour ça, il va nous falloir des fils. Le fil, je crois que le fil, il est déjà là. Faut juste la tenaille. Allez, on peut faire un feu. Il nous manque juste une petite bûche de bois. Alors, le garage. Je suppose que ça doit être le garage. Il manque la clé. Ouais. Alors, la clé. Et voilà, la photo. Alors. Ah, vous savez ce que ça veut dire. Pouc. Ah là, c'est fait. La commission est faite. Ouh, qu'est-ce qui fait chaud. Ouais, je crève de sueur là. Il fait au moins 35 là-dedans. Si pas plus. Ah, non, ouais, on vient de rentrer de là-dedans. Donc non, on peut pas. Vous pensez qu'il faut suivre les traces? Ah, j'en ai bien l'impression. Donc on est bien arrivé à la station service. La voiture, elle est ici. Ok, il va falloir aller aussi trouver un docteur, à ce que je vois. Le docteur, il se trouve... non, la carte, s'il vous plaît. Docteur ici. Ok, on est là. Il va falloir continuer jusqu'à là. Wow, je suis en train de suer comme un malade, là. Je sais pas trop ce que je dois chercher, mais en tout cas, mon stress commence à augmenter. Il va falloir pas trop s'égarer. Je sais pas pourquoi je suis en train de suivre les loups, là, mais c'est pas une bonne idée, je pense, hein. Je suis sûr que c'est pas une bonne idée. Ah non, mais les loups venaient de cette direction, d'accord. Donc on craint rien, ok. On ne craint rien. Ah ouais, les loups sont là. Si je m'approche, vous pensez qu'ils vont s'attaquer à moi? Ah ouais, c'est sûr même. C'était évident. Pourtant, les traces indiquaient la mauvaise et la bonne direction. Oh là là, ils me coursent. C'est bon, ils m'ont lâché prise. Oh là. Carl est stressé à 20% là. Ouh. Waouh, ce froid de malade. Je crois que Carl est en train de geler. Ah, nous avons des statues. Oh, c'est bizarre ça. Les statues, elles indiquent tout cet endroit-là. Pensez-vous qu'il faut aller par ici? Ah ouais, Carl, là, il en peut plus, hein. Il en peut plus, le pauvre Carl. Je crois qu'il s'appelle Carl, hein. Je suis pas sûr. Mince. Je me suis bloqué là-dedans. Je sais pas ce qu'elle a indiqué, mais visiblement, rien. Wow. Carl, reste avec nous. Ah non. Pas encore des loups. Laissez-moi tranquille. The cold was burning Carl.
He would not hold up much longer. He had to warm himself. Ah, il y a un petit truc. Ah, je sais, Karl. Tu as très froid. Là, on y arrive, on y arrive. Courage. Courage, Karl. Ne nous laisse pas tomber. Ah, on peut pas passer par là. Je sais, Karl, tu as froid. Non, reste avec nous, Karl. Waouh, je suis en train de crever de froid, de chaud. Ouais, j'ai même plus parlé, tellement j'ai chaud. Je suis en train de couler comme un phoque. Waouh. Karl, reste avec nous. Allez, ferme cette porte. Ferme cette porte. Non, de non. Bon. Non, on doit vraiment réparer ça. Ok, on va retourner dans la petite piole à côté. Bon, allez, Karl, tu peux le faire. Voilà, referme ça. Va te réchauffer un peu, même si ça réchauffe pas grand-chose. Ah, il nous faut une tenaille. Oh là là, Karl. Ah, c'est bon, on a la tenaille. Je regarde quand même partout, on sait jamais. Eh là là, la musique du siècle. Ah, nous avons, je sais pas ce que c'est. Ouais, tardons pas. Retournons vite. Il va falloir déplacer la voiture. Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. C'est marrant parce qu'il parle à la troisième personne par moment. Ça fait un peu bizarre. C'est bon, Karl, c'est bon. On y arrive. Voilà. C'est bon, on y est. Allez, va te réchauffer, Karl. Ah, voilà, Karl, c'est bon, tu te réchauffes. Allez, fonce. Va te mettre devant le chauffage. Ah, le bon chauffage. Ouh, le bon chauffage. Ça fait du bien. Alors, on va prendre une petite bouteille de collet. Une petite soda. Oh, oh. Vous pensez que... on peut remettre la musique? Allez, tenons cette musique de fou. Ah, du coup, on peut remettre la pompe. Ah, oh, des barres de chocolat. Et du chocolat. Ah. Serait-ce la carte d'où nous nous trouvons? Je vois pas trop ce qu'il faut faire là, sérieusement. Ok, je crois que c'est bon, on a tout fait. On est venu remettre de l'essence, d'accord. C'est tout, ouais. Et on va pouvoir aller voir le docteur. Et voilà, impeccable. Peut-être qu'on devrait quand même aller éteindre la pompe, ce serait plus judicieux. Voilà. Punaise, vous avez vu ça? On s'est chargé de mettre de l'essence gratuitement. Moi, j'ai ça vaut une bonne exclamation. Hein. Ah, deux petites... On va remonter de cette voiturette avec le froid qui augmente de plus en plus. Allez, Karl. Waouh, je suis en train de transpirer, mais c'est un truc de malade.
Du coup, on voit pas où aller l'essence. Ah, si, vous voyez, tout là-bas, à gauche, l'aiguille, elle est bien au fond. Et ça, je m'en souviens plus que c'était sur la droite, là. C'était pas la chaleur? Si, c'est la chaleur, ça. Ah, c'est marrant, la clé, elle se met là-bas, sur le truc. Ça, je m'en souvenais pas, on avait un truc comme ça. Oui, il me semble que c'était sur le volant directement qu'on mettait ça. Donc nous, il me semble c'est ici, hein, pour aller chez le docteur. Ok, il faut freiner un peu. Waouh, j'aime pas trop des ponts comme ça. Ça sent pas bon. Ah, le docteur, ça doit être ici. Ah bon, vous pensez qu'il faut monter comme ça avec la voiture? Non. Pas exagérer. Non, 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 faut pas exagérer. Je sens, on risque de paumer la voiture dans le décor. Ok, on va s'arrêter là. Ah, bah c'est bien, maintenant on peut sortir comme on veut. Il fallait juste faire le plein d'essence. Alors, la carte, du coup. La carte. Ouais, cool, on est bien chez le docteur. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va arriver chez le docteur et puis on va s'arrêter là. Hein. Docteur, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci, monsieur le docteur. Ah, faut peut-être marcher un peu dessus le tapis. Ah, je sais pas ce qu'on a fait. Oh, attendez. Non, c'est moi ou c'est mon imagination? On met des traces de pas. À savoir, est-ce que les pas, les traces de pas, elles restent longtemps? Ou elle s'efface au bout d'un certain moment, parce que si on se perd, on n'a plus qu'à suivre les traces de pas, ça c'est un truc sympa ça. Ah, nous avons la clé. On va quand même refermer ça, voilà, parce que nous ne sommes pas des fous. Et docteur? Docteur? Et docteur? Vous n'avez pas une carotte? On a pris une petite bûche de bois. Ah, il y a un petit mot ici. Il devrait exister une loi pour interdire au docteur d'être malade. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture. Carl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Pour les éborgnés, autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Donc le docteur, c'était un Français. Parti pour une urgence en ville. Le docteur là-bas est malade. Je reviendrai sous peu, ou jamais s'il meurt. Je prendrai sa place. D'accord, il va falloir aller en ville. La musique! Votre mère, à votre mère, à votre père. Fuyeur, attention. Petite boîte de machin, je sais pas ce que c'est. Oh là là, je suis en train de suer là.
J'ai vraiment envie de mettre le ventilateur, hein. Oh la vache! Ah non, on va pas utiliser l'eau. On va quand même éteindre ça. Ah, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle ne passe pas à cause de ça. Sur YouTube. Allez, ouvre! Ouvre-toi, Sésame! Ah, un cache-oreille. Un cache-œil. N'importe quoi. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Ah, la femme du docteur. Julia. Julia. The doctor's spouse was equally pretty and faithful. L'épouse de Julia. The kindness radiated from her eyes. Ah, du coup, ben, là, c'est écrit en français. Alors, je n'ai jamais pu bien entendre son nom. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut zoomer, c'est bien ça. Les hommes l'appelaient Laure. Elle était blessée à la gorge. Beaucoup de sang. La balle avait fait pas mal de dégâts. Je crois même que le cervelet. Désolé, j'arrive pas. Le cervelet était atteint. Cervelle. Ah, la cervelle. La cervelle. La cervelle était atteinte. Aucun espoir. Arrêt cardiaque, respiratoire. Les hommes l'ont trouvé comme ça. Ils disent, j'en doute. Mais dans le petit village, vaut mieux parfois fermer les yeux. On insiste pour que je ne me mêle pas d'acheminer le certificat de décès. Cette histoire me dégoûte. Mais on parle de quoi exactement? Parce qu'on n'a pas de nom, on n'a pas de... Ah, donc ce serait une femme. Ah ben oui, Laure. Ben, Laure. Elle fait 1m60, 50 kg. Groupe sanguin. On ne sait pas. Donc on ne sait pas vraiment grand-chose sur elle. On sait juste que c'est une femme. Ok. Doctors used light reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling, but back then it was pretty much always the case with medicine. The injured could be recognized by the large stains of red, an informal nickname given to meerbromen, smudged all over their injuries. Ah, je n'arrive pas à avoir le certificat. Dr. Beaupré had done his medical studies quite far from here. D'accord. He was surely one of the first students out of the new campus to settle on the mountainside. Ah, il s'est passé des choses ici. Mais non. On voit ça aussi, voilà. Ah, une sacoche de soins, ça c'est très bien ça. Un petit coup de heal. Mais ah! Mais ouvre! Oh yeah, oui! It wouldn't further this particular investigation. Oh là là. Ici on peut pas rentrer. Non, on peut pas. Ok. On a déjà ouvert tout ça ici, oui. Et la bergère, c'est elle qui les garde. The good doctor. Flanked by his beautiful spouse. Pure happiness captured on cardstock. Ok, donc il est parti en ville. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Enfin, on n'en sait pas plus. Bon, ben écoutez les petits gars. Moi, je pense qu'on va arrêter ici pour le moment. Et ben, nous retrouverons dans le prochain épisode. Oh, ça va pas la porte? La porte, elle fait des choses bizarres maintenant. Bon, allez, sur ce, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Bye.